Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmis. Et il y a des gens qui disent après vous parlez en live. Encore une fois, je ne suis pas présent, guys. Excusez-moi. Et moi, je voulais avant moi, information, ça dit tout le monde que il y a beaucoup ouvert inscription pour TPS. Ok? Pour tout le monde qui a fait être chaud. Encore une fois, inscription beaucoup ouvert. Nous avons gagné justement pour apporter des précisions. Ok? Il y a annoncé, mais officiellement, il y a beaucoup ouvert. On parle, guys. Et ça qui passé hier soir, là, c'est que, eh bien, démocratie, il y a gagné 51 sénateurs. Et ça, ça veut dire résultat ça. Résultat ça, il veut dire un bon bagage. Le pourquoi? Parce que, deuxième tout ça, je voulais souligner pour que, ou gagné Kemp, qui est gouverneur de Georgia, qui est entré dans la bataille là. Parce que, je me rappelle que, dans Georgia, Kemp gagne facilement. Et le tap fait, attendez bien, le gouverneur 53 et Stacey Abrams fait 45 oui. Donc, le gouverneur Kemp gagne en popularité dans Georgia. Parce que pour nous comprendre l'histoire qu'a fait dans Georgia, il faut faire un bac dans l'histoire. Je me rappelle que en 2016, Donald Trump gagne Georgia 51% 45% face à Hillary Clinton. Nous, en 2016. Qui t'a prouvé que effectivement Georgia c'est un red state et son transformation qu'a fait là il faut nous comprendre ça c'était en 2016 mais en 2020 qui s'est passé là Donald Trump face à Biden on a regardé qui j'ai dit c'est 49.5 49.2 ça veut dire autrement c'est 0.3% donc on dit que Biden prend Georgia de peu et c'est ça que d'avoir nous comprendre là maintenant ça qu'a passé dans Georgia là c'est que Georgia, que journée aujourd'hui, après dernière élection, ça, donc capable de dire Georgia, c'est un battleground state, puisque où t'es gagné Kemp qui gagne en popularité énorme, cap backup, justement, cap backup Walker, à tout ça, Walker pas arrivé monter, mais comme nous bien Walker là, tout son nèg, enfin, donc dans pile critique, ils sont, c'est pas un candidat de qualité que le donc et ça confirmé que c'est pas un accident que démocrate yo gagne un pied si ça veut dire yo gagne un pied certainement dans Georgia mais faut une clair que après les dit le battleground state là still challenging puisque c'est 50.6 49.4 OK et en moment là 97% vote yo non on parle avec ou là exactement 10h du soir 10h30 ou gagne Warnock qui gagne en affaire de et 40 000 votes en plus. Donc, et plusieurs médias projeté que le gagné et que le projeté, c'est que c'est le cap gagné. C'est par rapport avec le vote qui était. Donc, Kounye l'albe dit que démocrate, il a gagné officiellement 51-49. Qui voulait dire qui ça? Qui voulait dire que il n'y a pas de partager 50-50 dans le comité, surtout dans le comité. Il n'y a pas de partager 50-50. Il a fait comité côté que. Et républicains souvent le fait 50-50 fait un pile dilatoire les bon juge au besoin mettre les besoin font bagaille que seulement vous ne connaissez pas mon bas c'est dans seulement café autant qu'on mettez juge directeur général et mettez juge suprême court donc qui vient faire que démocratie si au besoin son pile à tout et il y a pas besoin à risque Kamala il y a pas besoin et républicains pas va le traîner parce que il y a une possibilité de traîner parce que sinon comité le 50-50 vous comprenez il y a des techniques on doit faire la dossier à traîner pour pile temps pas gagner ça qu'on est là il y a un climat majorité. Et tout, afin on négocie, ouais, depuis votre part là, va gagner cap fait, va gagner tout. Nous voulons parler de Joe Manchin. Depuis votre part là, vous ne doit pas voter. Et puis, vous avez un autre qui soutient. Et puis, donc, en l'autre terme, les bails, démocratio, yon latitude. Et les bails, et Aris Kamala pour Sibet et tout. Parce que à chaque fois, c'est lui pour venir, laisse qu'il y a 50-50 pour casser. Donc, et un commandant démocratique, et pasteur et Raphaël Warnock, eh bien, lui arrivé Kembe Jobli, puisque c'est un poste alté, et lui est allé, ils sont incombants, lui est allé pour le Kembe Posa, lui arrivé Feli. Mais on apprend que lui est allé, parce qu'à un certain moment de la durée, lui a compté votre quelques fois, où tu es Walker monté sous lui. Ok? Il monte, il descend, et à la fin, justement, c'est Warnock. Et qui prend ça. Mais il faut dire que Biden était très optimiste. Il dit lui-même, il pensait que yo a gagné et yo a gagné l'élection. En pile, les républicains, yo voient tout ça sous
harmonie qui pas gagner entre parce que ça passe en dernière minute là ou tu gagne en dernière minute machine qui tape de Walker là même là il pas même Walker mais il dit bon il en bataille net ou tu gagne Kemp gouverneur là et ou tu gagne Mitch McConnell toutes mes têtes ensemble et yo n'importe 2 millions de dollars dans un mouvement qui est le get out de vote operation c'est mouvement ça que gouverneur là t'a utilisé donc et comme quoi il était prêté Walker mouvement ça get out vote on a fait de 2 millions. Il a parlé de désaccord qui était gagné entre Mitch McConnell et le groupe Kemplan avec Sandarelli national comité national parti républicain. Donc pas vraiment un bon partnership et pas oublier que c'est sénateur Scott qui a mené comité ça. Et donc nous t'es ouais et Donald Trump et Ali t'es comprendre ça bien, il va te pointer. Il va te mettre quoi parce que on est en fait présence sur t'es fait plus mal que bien. Et bête au final c'est que et au final c'est que justement démocrate yo gagne 51 sénateurs et déjà en pile républicain comme toujours charge là il passe sous l'autre monde et ça confirme que Donald Trump li plus un handicap pour parti républicain yo yo dit clair défaite Walker là et il pas l'autre monde et forme d'ou bien depuis commencement ça va pas connait. C'est Mitch McConnell, c'est clair. Il dit qualité, quand il dit ça, quand il a une réserve. La grande question, nous pouvons connaître, est-ce que tout bon vrai, c'est Georgia qui tourne démocrate? Et c'est là. Ou encore, est-ce que Georgia, ou même clair, ou même dit, on va dans la logique, on va faire de parti. C'est qualité à chercher. Et on rend compte que Georgia allergie avec Trump. C'est là. Mais d'abord, c'est là, on connaît tout bon vrai. Est-ce que démocrate, ou gagne contrôle Georgia? C'est lorsque nous avons un candidat sénateur qui parle lié avec Trump et qui parle de mauvaise qualité et qu'elle fait les séparer avec démocrate et hostile bat parce que dans cas ça a fait nous d'accord que Walker comme tenu de passer lui il présente monsieur tant comme monde qui pas éduqué du tout qui pas grand quelle formation c'est football seulement de qu'on jouer on allié de Trump donc tout facteur ça capable dit des questions nous capable poser est-ce que vraiment c'est les démocrates qui apprend en prise sur Georgia ou encore est-ce que c'est le facteur Trump qui turn off tout le monde parce que c'est des monde qui doit depuis c'est Trump surtout pour Georgia ou pas la donne moi pense que vérité a et pour nous connaître tout bon vrai Georgia c'est un battleground state c'est peut-être dans des élections de 2024 et côté que ou t'as un candidat qui de meilleure qualité qui parle avec Trump pour capable gagner une bonne idée est-ce que Sanre les Georgia effectivement c'est un state qui au fur et à mesure a tourné et vers les démocrates. Et en pile monde qui compte bail don et yo même yo dit pas bon goût y a bail. Yo pas bon goût y a bail avec cause Donald Trump là. OK? Gagne par exemple Bob Vander qui lui dit lui-même il va dire qu'il dit qu'on a supporté Trump, il dit on l'autre fois encore défaite ça de Walker, c'est on l'autre blow, c'est on l'autre soufflet par ça pour président et à travers tout pays qui taille qui fatigué du fait qu'il a perdu donc c'est des indicateurs définitivement il dit son prédiction pour que nous définitivement vire donne par monsieur ça et donc et même les allées de Trump il dit que monsieur pas gain momentum dans moment là pas gain aucun momentum. OK? Et donc c'est comme ça causé ailleurs. Donc démocrate qui a fêté là qui c'est vraiment un bon moment pour yo dans victoire ça. Donc nous autres nous devons partager là avec vous.